pulling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back, wanna take a run at that. I think she's feeling me, turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease, bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me. Cause she got a bad little waist and we tearing down this place. Off the liquor that we chase, got some egos to the face. Baby I don't need no space, coming closer for a taste. And I'll show you how I make everything. Everything just fade away, cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on a tight frame. All game, no shame, baby came here to play. I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine. Got a fine little body and her mind's kinda naughty. They say that once you taste it, you can now replace it. Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, nouvelle petite vidéo, là on est sur le domaine de l'Esterel dans le sud de la France. Et vous avez vu déjà Flo, il y a quelques temps, un pote à moi qui voulait acheter une mini John Cooper Works. Et finalement, à cause de beaucoup de délais, il est parti sur autre chose qui est juste derrière moi et que vous avez pu voir en intro, cette magnifique BMW M135i. Voilà, donc Flo vient nous parler de cette belle petite auto. Salut à tous. Voilà, ça a beaucoup changé depuis parce qu'il était parti sur totalement différent. Ah ouais, complètement. Bah après non, c'est pas totalement différent parce que c'est pratiquement pareil. C'est même moteur, même boîte, même châssis. Mais pas du tout la même marque. Mais c'est pas la même carrosserie quoi, surtout c'est ça. Ouais. Dû à Covid et tout ça, ben j'avais des gros délais de retard à un point que la voiture j'avais commandé en juillet. Donc recevoir en janvier, donc environ 6-7 mois de délai, bon ça va aller à la limite. Et ben nouveau délai c'était juillet voire même novembre, donc plus d'un an. Presque l'attente d'une Lamborghini. C'est ça. Ouais. Et donc un peu trop long. Et en fait donc j'avais le droit d'annuler, donc j'ai annulé ma commande parce qu'au même passage à l'endroit où je travaille, on a rentré cette voiture-là en stock. Voilà. Mais bon, après, elle avait 20 000 km. Bon, elle était pas neuve, mais bon, elle a 20 000 km, donc c'est quasiment neuf. Et bon, dans mon budget, donc j'ai fait même moins cher que la Mini, du coup. Et je suis allez, go, j'achète, ouais, c'est mieux. Enfin, c'est beaucoup mieux, ça se revendra plus facilement. Et bon, c'est une meilleure gueule, donc. Ouais, une belle occasion, quoi. Voilà, c'est une belle occasion, une belle opportunité que j'ai pu avoir, donc je me suis jeté dessus. Donc, du coup, et ouais. Je ne regrette pas du tout. Non, mais on va voir après, mais c'est vrai que c'est une bien belle voiture. Qu'est-ce que tu penses, du coup? Est-ce que tu as des. Enfin, tu t'attendais à ça? Alors, ouais. Oui, je m'attendais même à une meilleure tenue de route que la Mini. Ouais. C'est plus joueur de temps en temps, bon même ça reste un 4 roues motrices, mais bon je m'amuse à la faire un petit peu partir, ça part facilement. Ouais. La Mini je me rappelle j'avais essayé, c'était plus compliqué. Bon après bon, ça, je dis pas que c'est une drifteuse, je peux faire des épingles, tout ça, mais bon voilà, c'est un peu joueur, ça part du cul, c'est rigolo, grâce à toutes les assistances. Donc non, franchement je suis trop content. Donc, ouais c'est une X-Drive en plus. Donc, ouais c'est un X-Drive, donc c'est un 4 roues motrices. Beaucoup de sécu. C'est ça. Donc c'est du combien de chevaux? 306. 450. Okay. 450 Nm de couple. D'accord. Bon, 4 cylindres turbo, hein, bah, ça c'est comme ça. C'était des 6 avant, c'est ça? Avant c'était des 6 cylindres Atmo, là bon, c'est passé sur un 4 cylindres turbo. Ouais. Bon, après, c'est comme ça, maintenant toutes les grosses voitures. Ça se réduit de au fur et à mesure. Voilà, on a plus trop le choix. Ouais, non, mais elle est très belle, on a le petit insigne M là ici. On a les beaux petits étriers de frein. Alors, ça c'est le kit gros frein. Kit gros frein, d'accord. C'est pas des carbone céramique, ça reste des freins en acier par contre. Ouais. Mais voilà, il y a toujours l'option des freins classiques M et du kit gros frein. Donc à l'avant c'est des étriers 4 pistons et 2 pistons à l'arrière. Ouais. Et là on passe sur du 6 pistons à l'avant et 4 pistons à l'arrière. Ah oui d'accord. Donc on reste sur un. Voilà, c'est un gros. Oui c'est quand même, les étriers arrière sont quand même c'est quand même pas mal. Voilà. Donc ça reste gros, ça freine super bien. Et l'arrière, donc on est sur les nouveaux arrières un peu restylés de chez BM. Ah bah ça n'a rien à voir avec l'ancienne hein. Ouais,
ça n'a rien à voir avec l'ancienne. On a double sortie d'échappement. Alors je sais que tu m'avais dit que tu avais commandé un échappement. J'ai commandé un échappement, bon il a un petit peu de retard lui aussi. Ouais, parce qu'il devait être posé actuellement là. Mais normalement dans 2 semaines je l'ai, normalement j'ai bien. Et ben, voilà j'ai hâte, parce que bon là la voiture elle est fapée donc ça fait pas beaucoup de bruit. Oui hein, c'est ça, le, on en parlera après, mais c'est vrai que c'est le vrai problème de la voiture. C'est que comme elle est fapée, il y a... comment dire, rien, pas de bruit. Il y a un bruit au démarrage. C'est léger quoi. Il y a un bruit au démarrage, mais après derrière c'est quand même vachement aseptisé. C'est ça. Donc ouais, on est un peu en s'attendant à une M, on se dit que ça va être un truc de fou comme les M2, les M3, c'est etc. Ça. Et finalement ils ont tout sécurisé quoi. Donc bon, avec la ligne, je garde le FAP parce que bon, la voiture est sous garantie donc je peux pas perdre la garantie, donc je garde le FAP. Donc je mets un FAP back. Ouais. Mais en tube, donc normalement il devrait y avoir du bruit. Bon, pas non plus un truc monstre comme j'avais sur la barre ou quoi, mais il devrait avoir une belle sonorité. D'accord, ouais, donc ça peut être, ouais. On verra. Et là, du coup, tu as rajouté ça, En fait, il y a un kit sur cette voiture qui est le kit M-Perf. Ouais. Donc, il comprend le béquet, une lame avant, un bas de caisse, un diffuseur tout en carbone, quelques rétro en carbone et des petites ailettes à l'avant. Bah, en fait, c'est comme le pack aéro de la classe A, hein, bien sûr. C'est ça. Sauf que j'ai pas voulu tout mettre le truc, j'ai juste pris le béquet parce que bon, le béquet est super beau. Dans pas longtemps, je vais rajouter les petites ailettes dans un mois ou deux. Bon, voilà. Et après, j'ai commandé tout le kit Maxon parce que le kit Maxon fait plus agressif que ouais, le MPR. C'est vrai, ouais, c'est vrai. Non, c'est vraiment top. Bon, voilà, on a le Contadra, vraiment super confortable. Le petit volant, on a la nouvelle interface, du coup, un peu comme le Virtual Cockpit. C'est ça, ouais, ouais, c'est de Virtual Cockpit. Attends, j'essaie de la démarrer. Ouais. Le beau petit démarrage. Ouais, donc ouais, toutes les informations sont reliées. Ce qui est drôle, c'est que bon, ça change quand on passe de différents modes. Ouais. Alors là, j'ai. Je vais mettre là. Bon, donc il y a toute la console centrale. Donc bon, la boîte de vitesse, l'e-drive, c'est pour gérer l'écran qui est tactile. Et en fait, quand j'appuie en sport, ben, hop, j'ai un nouvel écran qui s'affiche. Visual sport. Ouais, donc là, on est sur du. Ouais, on est sur un petit affichage sympa là. Non, c'est très sympa. Là, on a toutes les informations relatives aux médias, etc. À la navigation, le CarPlay. Ouais. Donc, non, très sympa et très confortable parce que on est vraiment bien dedans. Alors, ceux-là, ils disposent des sièges électriques. Hein. Ouais, avec la mémoire. Voilà, avec la mémoire. Donc, on peut absolument régler vraiment le siège comme on veut. Ce qui est cool aussi, c'est que je peux resserrer mes côtes. Oui, voilà, tu peux resserrer les côtes. Cet endroit-là au niveau des côtes, donc ça, c'est super top. Ouais, c'est plutôt rare, c'est pas dans toutes les sportives. Donc, non, c'est cool. Et vraiment, le fait qu'il y ait de la mémoire de forme. Ça, c'est pratique. Bah, c'est combien ? Deux conducteurs ? T'as deux positions à mémoriser. T'as deux positions, donc tu peux avoir deux conducteurs et puis, te changer ton truc et pas être emmerdé après pour refaire tous les réglages. Quoi. C'est ça. Ça, c'est très bien. Puis à l'arrière, pareil. Magnifique tissu, Alcantara également, très sympa. On est vraiment, vraiment bien à l'arrière parce qu'il y a beaucoup de place en fait pour mettre les jambes. Il y a beaucoup de place. Bon là, il est un peu reculé, mais on peut vraiment. Moi, je me mets large. Donc non, c'est vraiment cool. Et là, on va vous montrer parce qu'on a des petits camarades. On a des potes qui sont là. Salut gars. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Salut. Donc voilà, ils sont apparemment intéressés pour être sur la vidéo. Ouais. Allez, salut hein. Bon, allez, on va faire un petit test sur la route pour voir ce que ça donne. Et on se retrouve tout de suite. Et voilà, on est à bord de la petite M135i. Comme je disais tout à l'heure, on est super confort. Mmh. Franchement, on est bien. Donc on retrouve la boîte classique BM. Donc non, vraiment cool, on a les feux automatiques, tu m'avais dit qu'il y avait des feux aussi qui adaptatifs. Ouais, c'est quand, bon là on peut pas le faire, ça se voit pas, mais quand c'est de nuit, la voiture, les feux tournent quand la voiture tourne, et se mettent en plein phare tout seul, s'il y a une voiture qui arrive en face, les feux se baissent, enfin ça gère tout seul, moi je n'ai absolument rien à faire, je crois que depuis cette voiture, je n'ai toujours pas touché à mes boutons de phare quoi. D'accord. Ouais. Oui, que pour faire les appels de phare quand on est sur l'autoroute et que les gens te gênent, mais ouais. C'est tout. Non, ça c'est vraiment bien. Franchement, et ça freine très fort. Là, j'ai à peine appuyé sur le frein. Ils sont réactifs. Et encore, les paquets, je les ai bien poncés depuis que j'ai la voiture quand même. Donc, c'est vraiment cool. On a le affichage tête haute là que moi je vois. Ça va être compliqué de le mettre à la caméra, mais
Mais ouais, on a qui change avec le mode de conduite aussi en plus. Ouais. Là t'as un affichage un peu plus sport, mais tu vois. Si alors apparemment ici c'est limité à 80 km/h. Ouais, c'est ça roule ouais, fort bon, ici. Ça c'est les ça c'est BM. Ouais. Mais d'ailleurs regarde, tu vois, je t'ai mis le en confort, t'as l'affichage c'est toi oui, qui a changé. Oui, là c'est classique. Ouais, voilà. Là c'est très classique. Donc non, magnifique. Franchement, vraiment top. On est bien. En fait, ce qui est vraiment sympa, c'est les côtes. D'avoir, ouais. D'avoir le système de côte en fait qui est vraiment serré sur la bah, comme sur les voitures de course hein. on est vraiment bien. Et encore toi je sais même pas si te sert assez parce que si, moi, si, je moi ça plus, me sert bien je suis, bah, la, je suis plus large que toi en j'ai plus, le manteau là. Moi j'ai le manteau qui compense. Moi je suis un peu plus grassouillé donc bah, je suis un peu plus large on a, que toi. On a vu du coup tes collègues juste avant là qui sont venus te dire bonjour là la famille Facochet. Non c'est top. Franchement, on est bien au niveau de la conduite. On va pouvoir essayer un peu d'accélérateur, mais comme on disait, c'est très aseptisé à l'intérieur. On n'entend rien. Mm. C'est vraiment très très. On n'entend rien dans les deux sens. On n'entend pas le moteur, ouais. Mais par contre aussi les bruits de roulement et tout ça, quasiment pas. Ça reste des voitures allemandes, le confort allemand. Donc ouais. Non, en général, c'est forcément l'un ou l'autre. Pas vraiment le choix. Mais après, au niveau de la conduite, on est bien. On sent en sécurité, en fait, sur cette voiture. Ouais. On sent vraiment en sécurité. Le frein, c'est ça que j'aimerais avoir sur mon Abarth. C'est que t'appuies, hop, ça freine. Ça reste direct, ouais. T'as pas le temps d'attendre. Et puis, vraiment, c'est sécurisant. Hein. Ce qui est sympa aussi dans cette voiture, c'est que bon, elle a le petit éclairage BMW. En fait, ça fait là. Bon, là, comme on est en pleine lumière du jour, ça se voit pas trop. Ouais, ici, bleu, là. Mais par contre, là, à l'arrière, on le voit très bien. Bon, encore même, c'est encore la journée, donc bof. Mais bon, comme à l'arrière, il fait vachement sombre avec les vitres teintées et tout ça. Voilà, ça fait comme ça. Ah non, c'est vraiment. Et franchement, genre, la nuit, c'est canon l'éclairage ambiance. Ouais, bah ça, c'est non, c'est un vrai plus. On se disait juste que c'était bizarre qu'ils avaient fait que à certains endroits. Ouais, bah en fait, en gros, ici, bah, toute la lamelle, elle fait ça. Mais le problème, c'est que l'éclairage, il commence de là et il s'arrête genre là. Ouais, on dirait presque donc, que ça peut être un bug ou ouais. Je sais pas quoi, c'est bizarre. Donc la journée, à la limite, c'est pas dérangeant, mais la nuit, on a l'impression que que la PC est cassée ouais. Alors que bah, pas du tout. Non, c'est vrai que c'est étonnant qu'ils aient pas fait toute la longueur. Bon, ça serait peut-être un peu too much aussi. Ouais, aussi, mais bon. Mais après, c'est étonnant. Non, sinon on est vraiment bien dedans. Mmh. Ouais, qu'est-ce que tu. Depuis que tu l'as, ça fait combien de temps que tu l'as du coup maintenant? Bah, ça fait un peu plus d'un mois. Ça fait plus d'un mois. Et est-ce que tu as trouvé des défauts jusqu'à maintenant? Franchement, non. Après, bon, je ne l'ai pas encore testé à 100%. Mmh. Mais je me suis baladé avec mes potes. On a fait au Sunday quand on montait, on a fait le Sunday à Auron, bon, il n'y avait pas de neige malheureusement, donc c'est un peu décevant. Ouais. Mais franchement, la tenue de route, évidemment, il y a des petits endroits avec plaques de verglas où j'arrivais fort. Donc normalement, avec la Barthe, quand j'avais la Barthe, ou même toi avec ton Abarth, il y a moyen que tu partes, tu tires un tout droit ou tu tapes dans le pire des cas, bon, sans le souhaiter bien sûr. Mais là, la voiture, on sentait que le X-Drive, il gérait, donc oui, il compensait de fou. Donc non, franchement. Franchement, ça marche super bien. Pour un 4 roues motrices, j'avais peur que dans les sorties de virage un peu fort, ça tire tout droit, mais non. Ouais. C'est cool. Après, comme je disais, à chaque fois, c'est toujours la même chose, mais je trouve que le volant. Oui, ça, c'est les. Ouais. J'arrive pas à comprendre. Il est pas agressif. Voilà, il est pas. C'est censé être une M. Voilà, ouais, une après, version. C'est volant BM. C'est bizarre quand même. Et encore, il y a un peu de cuir là. Mais c'est vrai que sur certaines, c'est triste quoi. Mais par contre, il paraît léger le volant. Tu vois, il paraît. Oui. Paraît cru quoi. Ouais. C'est un peu étonnant de la sensation. Mais il paraît pas. Voilà, il paraît pas plein. Pour le coup. Donc non. Après, la sensation est bonne. Mais ils ont mis de l'alcantara partout. Je trouvais ça un peu dommage de mettre du plastique ici quoi. Ouais. Ça c'est dommage, franchement. Bon, après on connaît aussi des personnes qui ont changé leur volant. Hein, on avait vu ça il y a pas longtemps. Arthur, pour ne pas le citer, qui a sur son Audi S1 qui a changé le volant, qui a fait un volant custom en carbone forgé et tout ça qui est incroyable. Il est super beau. Et franchement, ça valerait presque le coup. Bon après tu dis que cette voiture tu vas pas la garder longtemps. Si, je vais la garder. Tous les 3 ans, voilà, la Barthe j'ai gardé 3 ans, elle aussi, ouais. J'essaye de changer tous les 3 ans, après bon, c'est
Oui, je change de voiture dans 3 ans, mais bon, après, c'est tout dépend ce qu'il y aura aussi dans 3 ans. Oui, bien sûr. Dans le budget que j'aurai, de disponible, dans mes critères, voilà, c'est. S'il faut, c'est peut-être dans 4 ans parce qu'il n'y aura pas de voiture qui m'aura marqué ou autre. Ça, ouais. Hein. Mais oui, je me fixe de minimum 3 ans la voiture. Ouais. Je la garde minimum 3 ans, après, on verra. Ouais, non, mais t'as raison. Après, t'es qu'un. Bon, c'est rien à voir, hein. Y a un truc qui coûte sur cette bagnole. Bon, nous, pour Apple, on a le CarPlay. Bon, là, il est pas mis. Ouais. Mais toi, c'est pour Android et tout ce qui est Samsung, t'as Screen Mirroring. Oui. Et ça, c'est si. Bon, en fait, c'est comme un peu au CarPlay. Sauf si en fait, tu retranscris ton téléphone vraiment. Là, c'est vraiment, tu retranscris l'affichage de ton téléphone sur l'écran. Ouais. Ça, je te mets en sport si tu veux. Quand même, c'est bon, voilà. En fait, tu roules couché, toi. Ouais, je suis un peu confort, moi. Ouais. Je suis un peu. Je suis en détente là. Moi, on m'a toujours dit de conduire, faut que tu sois posé, que tu sois vraiment confortable dans ta voiture pour conduire. Donc moi, je suis posé. Allez, on n'entend pas du tout les passages de vitesse. Ah ouais, de toute façon, tu les sens pas. Ouais. Non, on sent qu'il y a du répondant. Mais surtout les freins. Les freins, c'est incroyable. Les petits freins, le coup de frein que tu mets, on sent la coupe dans la vidéo. Tu sens la coupe, mais moi, j'appuie à peine. J'appuie à peine. Je touche la pédale, quoi. Et ouais, donc du coup, je disais par rapport à l'écran, ça c'est ce qui est vachement bien pour Samsung, c'est qu'admettons, vous mettez un film, bon, je sais pas, vous êtes dans les bouchons ou autre, hein, bien sûr, pas en roulant. À ne pas faire. Vous mettez un, vous pouvez mettre un film, il peut se retranscrire sur l'écran. Et bon, l'écran, il est pas petit quoi, donc bon, on peut se mater un bon petit film pour un petit date, tu vois, c'est sympa. Ah oui, bah. J'achète un Samsung pour date. Ah, juste le date. Juste pour les dates au moins, juste hop, je me fais un film, le petit Netflix ou autre. Et hop, on se pose dans une belle vue à la belle étoile et on est content. Ouais, tu pourrais faire ça. Tu pourrais faire ça. Non, non, après, la sensation de conduite, elle est vraiment cool. Moi, j'aime beaucoup. Vraiment, tu te sens en sécurité. Tu te sens que tu peux y aller et la voiture va pas te faire une dinguerie, quoi. Non. C'est là, tu sais que voilà. Moi, quand je suis sur ma voiture, je suis pas serein. T'anticipes à chaque fois, quoi. Ah, t'anticipes. Tu sais que là, tu vas pas la tenter parce que sinon, tu vas aller tout droit dans le mur. Donc, mais celle-là, tu sais que ça passe, quoi. Ouais. Franchement, c'est tip top, quoi. Bon bah écoute, c'est impeccable. Hâte de voir la prochaine voiture. Dans 3 ans quand même. Dans 3 ans. On a le et temps. Et puis les seuls modifs que tu veux faire, ouais, c'est que. Bah il y a l'échappement, bon il y a déjà les vitres teintées qui ont été faites. Ouais. Le kit Maxton qui a été commandé. Oui. Que je vais recevoir fin février, début mars normalement. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, les petites ailettes comme sur le pare-choc avant, mais deux chez BMW. Et après. Ouais, ça à la limite peut-être le diffuseur Maxton, mais encore je suis pas sûr parce que le diffuseur il est beau, je trouve. Je verrai, bon après j'ai pas envie de tout faire d'un coup parce que bon sinon après je vais m'enlacer. Ouais, c'est vrai. Et bon après on verra au fil du temps parce que voilà. La garantie est quand même. Avec les vitres teintées et les lunettes de soleil, je ne vois rien. Ouais, bah, surtout dans le rétroviseur intérieur. Là, je vois deux feux et c'est tout ce que je peux voir là. Ouais, et pourtant on n'est pas encore la nuit. Hein. Ouais. Qu'en fait sur les côtés je suis à 95% et à l'arrière en fait j'ai mis deux films à 95% donc en fait je suis équivalent à 99%. Oh, putain. C'est donc oui je vois rien, tu peux me faire des appels de phare, moi c'est un, et je vois une petite veilleuse quoi en fait en gros donc ouais on c'est va voir ce qu'elle a un peu là. C'est ouf parce qu'elle pousse. Elle pousse mais pas. Au changement de vitesse, en fait, elle pousse énormément. Ouais. C'est-à-dire que tu sens vraiment que tu as un coup de pied dans le cul là qui arrive. C'est ça. Et tu le prends vraiment méchamment, quoi. Ah non, là, ça rigole pas du tout. Et tu sens que là, elle est dans le truc, quoi. Ouais. Alors, on entend un petit bruit, hein, forcément, dedans, mais. Et là, toi, tu sens le clac. Là, t'as vu, t'as l'impression que tu gagnes. C'est ça. Tu gagnes un petit peu, quoi. C'est ça. Ah ouais, non, c'est énorme. Les palettes, elles sont un petit peu loin pour moi, je trouve. Après, c'est peut-être que t'es loin du volant, non? Non, je suis bien. Mais je trouve qu'elles sont un peu trop loin pour. Enfin, je les préfère plus, tu vois, proche ici que à l'intérieur. Mm-hmm. Là, tu vas. Là, c'est quand même au bout du doigt, hein, si tu veux vraiment la chercher. Hein. Ouais. Ouais. Ça passe bien. Ah bah là c'est un boîte double embrayage à 8 rapports. Ah ouais, c'est 8 rapports. Donc ça en fait ça c'est cool aussi parce que bon tu veux bourriner, tu veux attaquer, il y a de la. Bon voilà, il y a de la longe. De la prise. Mais par contre aussi ce qui est cool, c'est en confort.
quand tu veux rouler confortable. Parce que voilà, moi faut savoir que je fais maintenant tous les jours je fais tous les jours Cannes Fréjus pour aller au travail. Ouais. Donc bon ben je me fais 70 bornes par jour, c'est de l'autoroute. Donc on se dit ouais sur cette bagnole bah 300 chevaux ça va consommer tout ça. Bon après ouais je consomme parce que bon bah le week-end j'ai le pied lourd. Et oui. Bon même la semaine j'ai le pied lourd aussi un peu. Ouais. Mais vu comme avec les en 8ème, quand je suis en 8ème en confort, je suis à 180, admettons. Ouais. Et je reste juste, je tâtillonne à peine la barre des 3000 tours. Ouais. Donc il y a encore de la marge. Ouais, il faut pas sa vitesse. Ah t'as vu? C'est marrant parce que là, je pensais qu'il allait la forcer. Et il la force pas en fait. Là t'es vraiment en boîte. Quand tu touches les palettes, t'es en boîte. Il se met automatiquement en boîte. Ouais, en fait, parce que là je t'ai mis la boîte en sport, mais admettons, si je te remets en D et que tu touches les palettes, t'arrêtes de les toucher pendant un moment, hop, elle repasse en auto tout seul. Ok. Oui, tu vas en boîte séquentielle. Voilà, là t'es reparti en boîte auto donc. Non, vraiment, vraiment très bonne voiture. Et bah, écoutez, nous on va finir cette petite vidéo ici. Je vais vous mettre toutes les informations pour aller suivre Flo sur sa page et voir ce qu'il va faire avec sa belle voiture. Et puis, nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Allez, salut! À plus!